Présidente, nous avons fait une découverte incroyable. Oh! La guerre, c'est une chose terrible. Ça coûte très cher et ça ne rapporte presque rien. L'ordre a tenté de l'arrêter auparavant. Par la raison, la politique ou l'argent. Mais tout a échoué. Pour changer le monde, il nous faut quelque chose de plus fort. Il nous faut la peur. Il faut créer une nouvelle super-arme. Une arme tellement destructrice que sa simple existence rendrait toute guerre inimaginable. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider à réaliser ce plan. Le brillant Abraham Zweistein. Il doit le faire sortir de ce petit pays où il cache tout mon argent. Jeune disciple, j'ai appris que le brillant savant, le docteur Abraham Zweistein, a quitté l'Allemagne et s'est réfugié en Suisse. Oui, notre système de santé est si faible que je nous déclare officiellement libérés de l'influence néfaste de la médecine moderne. Plus d'inoculations involontaires, plus de mouchards dans nos appareils dentaires, plus d'éthique empêchant les toubibs mignons de sortir avec vous. Qui a besoin d'un système de santé, de toute façon? Le communiste et le capitaliste se sont affrontés sur la question de savoir si le rhum doit être distribué selon les besoins des nécessiteux ou vendu sur un marché de libre-échange. Je m'en voudrais de polémiquer avec eux, je me contente donc de vous inviter au Jolly Roger, où les nécessiteux auront tout le rhum qu'ils veulent du moment qu'ils paient. Je félicite vos efforts, Présidente. Seuls ceux qui sont prêts à tenter l'absurde réussissent l'impossible.
C'est une période faste pour les diplomates. Comme la Grande Guerre approche, les États se cherchent tous des alliés. Pas un jour sans banquet officiel ou cadeau luxueux. Thank you.
Alerte, Presidente! J'ai reçu un message de traducteur du jeu. Il refuse de traduire, je cite, « les clichés grotesques sur la prétendue lâcheté militaire de leur pays ». Ils nous ont envoyé 2 billets tarifs étudiants pour la galerie des batailles, une mini-map menant à Verdun et une fan art du maréchal de Lattre. On devrait la jouer diplomate avec eux. Ils ont fait leur service au 152e RI. Bonjour, Presidente. J'ai été mis au courant de votre noble quête et j'ai en tête un moyen de vous aider. Les occasions se présentent d'elles-mêmes par moments, mais vous ne devez pas compter que sur la chance. Vous devez apprendre à gagner l'argent par vous-même, jeune disciple. Je suis heureuse qu'il y ait une nouvelle église sur l'île. Jésus nous a enseigné des choses importantes. Tendre l'autre joue, faire du ski nautique. Bon, honnêtement, moi je tends l'autre poing plutôt que l'autre joue. Mais après, j'ai des remords. Quelle formidable invention, Presidente! Rien ne compte que le temps.
Et je crois qu'il s'accélère pour nos amis les Suisses. Tropico est en train de devenir le paradis tropical qu'il est censé être. De plus en plus de gens abandonnent la vie agitée de la ville pour vivre dans des cahutes en pleine nature. Ah, bien vu les gars. La plage est assez large pour tout le monde. Et mon bar est ouvert toute la journée pour satisfaire vos besoins matériels. Presidente, par la présente et in limine litis, je sollicite. Vive la nouveauté! L'équipe juridique del Presidente a peaufiné notre constitution pour qu'elle soit 53% meilleure que la précédente. Elle est même écrite avec une police, genre sérif. Tout ce qu'il y a de plus classieux, quoi. Présidente, les Tropiciens attendent les élections l'année prochaine. Ils veulent afficher leur amour éternel et leur respect pour vous. Leurs mots sont un peu différents, mais...
Bravo, mon ami! Bravo! Ces gredins de Lax me donnent la chair de poule. Je vais devoir faire bonne figure de... Le monde est en guerre. Je ne suis pas un expert, mais l'heure me semble venue de construire une puissance militaire. Jeune disciple, il est temps de porter le coup fatal aux Suisses. Résultat de notre dernière étude. Les diplomates étrangers sont en moyenne 45% plus souvent en accord avec les nôtres si ces derniers pètent moins ou sentent moins fort. Une étude de groupe a démontré que 33% des diplomates étrangers n'aiment pas que leurs confrères rotent à table. Enfin, ils sont 95% à considérer que danser nu sur les tables en chantant l'hymne tropicien est un comportement indécent. Qui l'eût cru ? Nous avons une chance d'influencer les résultats des prochaines élections. Ce n'est techniquement pas tout à fait légal, mais il est garanti que personne ne s'en rendra compte.
Nous savons les résultats des élections. Je veux être le premier à vous féliciter, présidente. Présidente, il fait si chaud dehors. Cueillez-vous deux palmiers, se battre pour un chien. Je suis furieux! Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver! Victoire, présidente! Avec l'aide de ma